Et yo tout le monde, c'est PokéPlays, on se retrouve pour un tout nouveau let's play, une nouvelle série, et eh oui, une nouvelle série cette fois sur Pokémon version noire, comme vous le voyez, mais pas version noire, normale, non pas Nuzlocke, mais Pokémon version noire, version random. Alors qu'est-ce que le random? Le random c'est tout simplement que les types des Pokémon, les Pokémon que l'on va rencontrer, seront tout simplement aléatoires, c'est-à-dire que par exemple, dans les hautes herbes, on pourra rencontrer un Zekrom, on pourra rencontrer un Germignon, on pourra rencontrer un Chaglam, on pourra rencontrer n'importe quel Pokémon, un Pikachu, tout ce que vous voulez. Les types des Pokémon, leurs attaques spéciales, leurs défenses spéciales, tout ça, ça sera aléatoire. Et donc, sur Pokémon version noire, les gens, tout simplement parce que j'avais envie de le faire. Alors, on va pas dire que je copie Nutty Tuff, c'est pas ça. Je ne copie pas Nutty Tuff, j'avais juste envie de le faire. Et donc, je suis vraiment pressé de faire ce let's play avec vous. C'est pas un Nuzlocke, c'est simplement un random, tout simplement, voilà. Donc il n'y a pas de Nuzlocke, c'est un let's play normal en random, voilà. Donc j'espère que vous allez tous bien, moi ça va. Clairement ça va super, moi je suis super content de faire un nouveau let's play avec vous. Ça sera en HD, bien sûr, hein, ça il n'y a pas de problème. Voilà, et comme vous le voyez, le jeu lag légèrement, mais c'est normal parce que mon ordi n'a pas vraiment une carte graphique, enfin l'ordi de mon père n'a pas vraiment une carte graphique qui est vraiment très très bien, c'est une Nvidia pour pas vous cacher, mais elle fera l'affaire pour ce let's play, et je suis vraiment très content de le faire avec vous, parce que j'ai cherché longtemps, et vu qu'on fait un random, bah... il me paraît normal de vous faire un petit tuto sur le random. Donc je vous ferai un tuto sur comment randomiser une ROM tout simplement. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est franchement, c'est vraiment très, c'est vraiment normal. Hein. Je vous ferai un tuto sur comment randomiser une ROM et c'est extrêmement simple. Donc tous bien sûr les starters que l'on va avoir là, ce sera pas Grookey, Vipélière et Moustillon. Ce sera n'importe lesquels. Et d'ailleurs des Pokémon que j'ai choisi moi-même. Hein. Donc version noire, donc vous appuyez sur start. Clairement les gens, on va appuyer sur start. Je suis super content de faire ce let's play avec vous. D'autant plus que ça faisait longtemps que je voulais faire. Parce que j'ai cherché sur pas mal de sites comment randomiser une ROM. Puis j'ai trouvé sur le lien de Nutty Tuff tout simplement. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Keteleria. Mais tout le monde m'appelle le professeur Pokémon. Je vais lire les textes. Hein. Autant vous le dire. Et oui, ce monde est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Les Pokémon ont tous des pouvoirs, une apparence, un habitat particulier. Ils vivent en paix avec les humains, ils se complètent, s'entraident et il leur arrive même de faire de grandes choses ensemble. Les combats de Pokémon, par exemple, sont très populaires et permettent d'approfondir les liens entre un dresseur et son équipe Pokémon. Et donc moi, justement, j'étudie ces fameux Pokémon. Bon, j'en ai fini avec mon monologue. Parle-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou une fille? Je suis un garçon, naturellement. Oui. Et quel est mon nom? Alors, mon nom... Alors, s'il y a une bande blanche en bas à droite, c'est normal, c'est parce que le... il y a un petit bug d'émulateur. Franchement, il n'y a rien de grave. Tout simplement. Donc, du coup, j'enlève le let's play sur Pokémon version Ruby. C'est celui-là qui va remplacer Pokémon Ruby. Donc, je suis content, tout simplement. Donc, je m'appelle Lucas. Lucas, c'est ça? Oui. Quel joli nom, c'est super trop mignon. Attendez, juste 2 secondes. Ok. On a 3 minutes. Il est un peu spécial, mais il a un bon fond. Cette fille, c'est Bianca. Elle est très gentille, puis elle fait de son mieux. Une fine équipe, n'est-ce pas? Et comme j'ai confiance en vous trois, je vais vous confier à chacun un Pokémon. J'espère que vous en prendrez bien soin. Lucas, dès que tu auras choisi le Pokémon qui va devenir ton plus fidèle compagnon de voyage, ton aventure va commencer. Tu vas rencontrer des centaines de Pokémon et une foule de gens avec des opinions et des idées très variées. J'espère que tu retireras quelque chose d'unique de ces rencontres. Qu'elles te feront grandir, c'est l'objectif principal de ce voyage. Mon trait de voyage, en route pour le monde des Pokémon. C'est parti mon kiki. Ok, c'est parti les gens. Le let's play commence et nous sommes au printemps. Donc je suis content. La petite animation du début. La petite animation de 2011, j'ai envie de dire. En 2011, c'était ça l'animation. N'empêche, je la trouve bien. Clairement. On va augmenter un peu le son. Hop, voilà. Donc désolé si le jeu lag un peu, mais bon, là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo,
ma carte graphique ne n'est pas c'est pas une carte graphique de malade, hein, la carte graphique de mon père, mais comme je dis, elle fera tout à fait l'affaire pour le let's play, comme elle le fait d'ailleurs pour Pokémon Rouge Feu. Enfin, pour Pokémon Rouge Feu, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, quel starter allons-nous avoir, les gens? Je ne sais pas. Au pire, Osef, j'ai envie de dire. Comme dit une petite œuf, j'aime bien son expression. Ça veut dire tout simplement, on s'en fout, Osef. Hein. Osef, on s'en fout. C'est tout simplement les initiales. Lucas, le professeur qui était l'aria. Donc, je vais pas zoter ni rien, je vais lui faire parler normalement. Le professeur qui était l'aria a dit que nous allons recevoir des Pokémon. Bianca, elle est encore en retard. Eh ouais. Désolé, je suis encore en retard. Bianca, comment te dire? Je sais depuis plus de 10 ans que tu as tendance à aller à ton rythme, qui est, soyons francs, plutôt lent. Mais bon sens, c'est aujourd'hui que le professeur qui était là distribue des Pokémon. Mais j'ai dit que j'étais désolé. Bon, Lucas, Chiren. Bianca, ils sont où ces Pokémon? Ils devraient être déjà être chez toi, Lucas. C'est donc toi qui vas choisir le tien en premier. Cela va sans dire. Dans cette boîte, 3 Pokémon nous attendent. Va, Lucas, à toi de faire le premier pas. Ouvre donc, nous mourrons d'impatience. Ok, c'est parti, on ouvre la boîte. Ouvre la boîte. Tu trouveras un joint à cette lettre, 3 Pokémon. Avec des amis, choisissez chacun le vôtre sans vous disputer. Amicalement, professeur Kitteleria. C'est parti. Quel Pokémon allons-nous avoir, les gens? Je ne sais pas. Choisissez un Pokémon. Un Dracaufeu. Un Kyurem. Et un Genesect, les gens. Un Genesect, un Dracaufeu et un Kyurem. Moi, je vais partir sur Dracaufeu, les gens. Je vais partir sur Dracaufeu parce que c'est un Pokémon que j'apprécie particulièrement. C'est un super Pokémon, un super bon Pokémon. Et franchement, on est tombé aussi sur des légendaires Genesect et Kyurem. Et ben on va choisir Dracaufeu. C'est parti. Oui, c'est parti. Ah, je suis super heureux. Un Dracaufeu, un Genesect et un Kyurem, on pouvait pas avoir mieux, les gens. Un Dracaufeu. Et bien sûr, on va le renommer. Je prends celui-ci pour Chiren, ce sera celui-là. Hey, oh, come you get to pick out my Pokémon. Oui, ça c'est dans le random, il y a des bugs des fois de texte, mais je crois que c'est le seul bug du jeu. Oh, never mind, I want this one from the start anyway. Ok, donc aussi les noms des dresseurs seront aléatoires, pour vous dire. Tout le monde a son Pokémon, alors vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est l'heure d'un combat de Pokémon! Bianca, si je puis me permettre, ce n'est pas parce qu'ils sont faibles qu'on ne peut s'autoriser ce genre de fantaisie en intérieur. Bianca, mais non, t'y connais rien, ils sont encore tout mimi et faiblards. Si on les fait passe base, ils ne pourront jamais devenir forts. Allez, Lucas, en garde! Ok! Alors, lequel elle va choisir? Genesect ou Kyurem? Moi, je pense qu'elle serait partie sur un Genesect. Un Genesect, clairement. Elle va prendre le Genesect. Clairement. Engineer Wayne. Et elle envoie un Magikarp, les gens. Un Magikarp. Elle a pas choisi le Pokémon du début. Un Magikarp, ok. J'ai envie de dire pourquoi pas, les gens. J'ai envie de dire pourquoi pas. Écoutez, nous on envoie notre gros Dracaufeu. Allez. Ah, il a charge, hâte, mos, dos et grondement, les gens. Il a même une attaque de type sol. Allez, on va essayer ça. Le Magikarp évite l'attaque. Oh, Fouillian. Genre un Magikarp qui a Fouillian. Bonjour, je suis un Magikarp, j'ai Fouillian. Ok. Ok. Je pense qu'on va partir sur charge. Clairement. Boum. Oh. Oh, le coup. Ah, c'est pas un coup critique, mais franchement, t'as géré Dracaufeu. Mais tu fais mal. Oh, ça va barder maintenant. Ok. Oh. Et voilà le Magikarp KO. Alors on va voir si l'XP fonctionne. Yes, c'est bon, l'XP fonctionne. Et niveau 6, les gens. Niveau 6. Ok.
Donc l'XP marche, hein. J'avais vérifié de façon avant. J'avais vérifié parce que j'allais pas faire un let's play où l'XP fonctionnerait pas. Hein. J'ai vérifié. Ok, ça c'est bon. Déjà, le bug de l'XP, c'est réglé, il y en a même pas de façon. Donc autant vous le dire tout de suite, hein, on est tranquille. Et ben, Lucas t'assure, j'ai comme le pressentiment que tu vas devenir un super dresseur. Chiren, Bianca, tu vas regarder autour de toi. Excusez-moi encore pour la lenteur du jeu, c'est pas de ma faute. Mais, que s'est-il passé? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Les Pokémon, ils rigolent pas, pourtant ils sont si petits, mini. Je suis trop content d'avoir, enfin. Lucas, tu te fâches pas, hein? Non. Ma petite Bianca, tu es irrécupérable. Pierre, admettre ce Pokémon que je le guérisse. Ok, donc il soigne nos Pokémon. Il faut aussi soigner ton Pokémon, Lucas. Ok. Et du coup, je vais faire un combat contre Chiren, mais qui va-t-il avoir? Vu que Bianca n'avait même pas. N'avait ni Genexect, ni Curem. Elle avait tout simplement un Magikarp. Magikarp, c'est un Pokémon de merde. Et a été considéré comme l'un des Pokémon les plus faibles de tout Pokémon. Hein. Donc autant vous le dire, ça va être facile le let's play. Avec mon exceptionnelle connaissance des Pokémon, aucun risque que cette chambre ne souffre davantage. Et puis ce sera injuste qu'il n'y ait que vous deux pour profiter des Pokémon. It's decided, tu vois, vous voyez encore, hein, c'est il y a encore de l'anglais. It's decided, you'll be my opponent in our first Pokémon battle. Let's see what you can do, my Pokémon. Et contre qui on se bat? Contre Bob. Je me rappelle, une tout c'était Lawrence. Eh ouais. Donc là, c'est Bob. Engineer Bob. Et il envoie un... Un clitty-clic. Un clitty-clic, les gens. Genre, un clitty-clic. Ok, pourquoi pas. Autant vous dire que ça va être easy. Easy, clairement easy. Easy, j'ai envie de dire. Attends, avec une attaque feu, c'est réglé. Ah, il a pas d'attaque feu. On va faire masse d'os alors. Boum. Et en plus, c'est super efficace, les gens. Parce que c'est le sol est fort contre l'acier. Et il fait quoi comme attaque là? Oh là là. Oh les gens. Si on perd ce combat, le let's play est fini. Et non, c'est pas très efficace. Ah bah non, si on perd là, le let's play est pas fini. C'est pas un Nuzlocke, je suis con moi. Ok, masse d'os, et bim. Et hop, KO. Donc en fait, j'ai des attaques super fortes contre les deux Pokémon. Donc c'est clairement easy. C'est easy. Ok. 311. Oh, masse d'XP, les gens. Oh là là, la tonne d'XP qu'on gagne. Ah, c'est fantastique. Oh là là, les gens, la masse d'XP. Choc mental. Choc mental, les gens, choc mental. On oublie... Alors... Y a pas de pouls, ok, on oublie choc mental. Je veux dire. Oh, choc mental, il a pris la tête de type psy, les gens. C'est complètement fou. Ouais, je fais une connerie, bon, c'est pas grave. Niveau 8. Niveau 9. Oh, hey, les gens, masse d'XP, sérieux. Oh là 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 là. Oh là là, niveau 9 déjà. Eh, franchement. J'ai écouté de manière imprévue à la défaite pour ce premier combat. Défaite. Mais cette sensation, serais-je déjà devenu dresseur? Mais par contre, il va falloir s'expliquer. S'excuser auprès de ta mère pour tout ce désordre. C'est vrai, moi aussi, il faudrait. Ok, les gens, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On va se retrouver pour un nouvel épisode. Demain, je vais tourner un nouvel épisode. Voilà. Demain, samedi, vous aurez aussi l'épisode de Pokémon Rouge Feu qui va sortir. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Twitter, sur Google+, à aller voir le site internet, télécharger l'application. Et puis moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Générique. Gotta catch 'em all with a Pokeball ball. Gotta catch 'em all with a Pokeball ball. Catch 'em all, gotta catch 'em all. Gotta catch 'em all with a Pokeball ball. Gotta catch 'em all with a Pokeball ball. Gotta catch 'em all with a Pokeball ball. Catch 'em all, gotta catch 'em all. Gotta catch 'em all with a Pokeball.